Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle fois, j'ai fait une vidéo où j'étais mute, donc je pense que je vais laisser mon micro ouvert dorénavant. Parce que je viens de le voir, j'aurais pu tout faire toute la vidéo comme ça. Ah, en plus, ça fait 20 minutes facilement que je parle, hein, mais c'est pas grave, je vais faire un résumé. D'abord, je m'excusais parce que normalement, vous auriez dû avoir des vidéos vendredi et samedi. Sauf que je n'ai pas eu de... j'ai pas eu mon CAP. Je vais le dire platement. J'ai pas eu mon CAP. Et... je l'ai pas eu, mais de peu. En fait, pour réussir le CAP, il faut avoir une moyenne professionnelle et une moyenne générale au-dessus de 10. Ma moyenne générale est de 10,52. Ma moyenne professionnelle est de 9,64 sur 20. Ce qui fait que je pensais l'avoir parce que, en fait, je savais déjà depuis la semaine dernière que j'étais en ballotage parce que mon formateur, mon ancien formateur, je le considère plus comme formateur, que parce que mon ancien formateur m'a appris que, il me l'a dit et il m'a dit qu'il fallait que je signe mon relevé de notes de l'année que je découvrais à ce moment-là. Et du coup, j'ai vu que j'avais une moyenne de 14 sur 20 à l'année. Pour tout, hein, pratique et théorie. Donc dans ma tête, c'était ok, je vais l'avoir mon CAP, il n'y a pas de problème. Sauf qu'ils n'en ont pas tenu compte. Le jury n'en a pas tenu compte. Parce que derrière, ils ont dit. Ils ne veulent plus cautionner. En tout cas, c'est notre. C'est ce qu'on pense après en avoir entendu parler, après avoir entendu parler des membres du jury, après constatation de nos points et de leur décision. Parce que c'est comme si. En fait, c'est comme s'ils n'avaient pas tenu compte de nos relevés de notes pour prendre leur décision. Normalement, honnêtement, avec un 14 sur 20 à l'année et une note en dessous de 10 à la moyenne professionnelle, je suis désolée, mais ils auraient dû en tenir compte, ils auraient dû arrondir un petit peu ou augmenter les points, ou j'en sais rien, mais c'est... Voilà. On sait qu'ils voulaient vraiment montrer que une formation de 5 mois, pour devenir pâtissier, c'est pas suffisant. Et objectivement, ça ne l'est pas. Sauf si on a une bonne base derrière, sauf si, comme moi, depuis 4 ans au minimum, bon, maintenant ça fait 5 ans, mais sauf si, depuis 5 ans, vous faites de la pâtisserie, vous vous êtes intéressé, vous regardez des vidéos, vous lisez beaucoup de livres, vous vous renseignez sur le sujet, en fait. Si vous êtes comme moi, formation de 5 mois, ça peut le faire. Honnêtement, ça peut le faire. Moi, j'ai gagné énormément de confiance en moi grâce à cette formation. Et du coup, c'est ce que j'ai dit dans l'enregistrement que vous n'avez pas eu. Mais eux ne veulent pas le cautionner. Et je peux le comprendre parce qu'objectivement, 5 mois de formation pour un métier de bouche, sachant qu'il y a des règles, des normes alimentaires, des normes d'hygiène à respecter, c'est un peu juste. Donc d'un côté, je peux comprendre. D'un autre côté, je ne le comprends pas parce qu'on a réussi en fait. Nos points montrent qu'on a réussi. J'ai les compétences. Et je ne pensais pas faire de recours, mais je pense que je vais quand même en faire un, juste pour tenter. S'il passe pas, tant pis. Je vais me réinscrire en candidat libre et passer mon examen en candidat libre du coup en mai pour mon épreuve que j'ai ratée et là je l'aurai. Et je vais aussi m'aider d'un livre. Du coup je vous le remonte parce que vous ne le verrez pas. Mais j'ai pris ce livre là qui est quand même relativement bien. Et ce livre va me permettre, juste en fait, dans tout le livre, ils ont noté toutes les... Ça balaye vraiment toutes les pâtisseries qu'on peut avoir pour l'examen, pour le CAP pâtissier. C'est un gros livre, hein. Et ils le divisent en années, en mois dans l'année. Donc par exemple, ils vont dire pour octobre, vous allez faire ça, pour septembre, vous allez faire ça, pour novembre, vous allez faire ça. Donc je pense que je vais faire ça. C'est pas sponsorisé, rien du tout, hein. C'est juste que je l'ai trouvé et je me dis, s'il y en a qui aiment bien la pâtisserie et s'il y en a qui veulent aussi passer en candidat libre ou tout seul, vous pouvez vous aider de ça. Maintenant, la formation m'aura quand même permis de...
Ouais, je sais pas en vrai. Ce que j'allais dire, la formation m'aura quand même permis de travailler dans un laboratoire. Mais honnêtement, je suis même pas sûre parce que j'aurais très bien pu travailler dans un laboratoire en faisant moi-même un stage de pâtisserie. Après, j'aurais appris les gâteaux de base et tout, mais j'aurais pu le faire aussi toute seule. Le seul truc, c'est que j'aurais rencontré des gens grâce à ma formation, plus ou moins, même si je pense que dans tous les cas, ce se serait fait comme ça. Hein. Mais j'ai rencontré Gamelle. Donc je pense que, objectivement. De toute façon, si les choses se sont pas faites, comme mon papa dit tout le temps, c'est que ça devait pas se faire avant. Pendant ce week-end, j'avoue que j'étais pas bien du tout. J'en ai d'abord beaucoup voulu à mon formateur, puis derrière, j'ai été envahie par une profonde injustice. J'avais envie de hurler. Et là, du coup, ce que. Et puis après. Enfin, pardon. J'ai du mal à parler encore, hein. C'est encore très frais, mais ça, il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans ma tête. Mais là, maintenant, je suis plus en mode, bah ok, on me donne pas ton CAP, mais je sais que j'ai les compétences. Et ces 2 dernières années en France m'ont vraiment appris ça. Parce que quand j'ai déménagé en France, je doutais beaucoup de moi. Et là, j'ai appris tellement sur moi, j'ai pris tellement confiance. Je suis pas du tout la meilleure en confiance, hein. Genre vraiment pas. Genre, je doute énormément de moi. Mais maintenant, je suis vraiment dans un mode où, bah ok, je peux le faire. Ça, je sais que j'en suis capable. Genre, si on me demande, bah voilà, t'as une commande de gars, t'as une commande pour tant de personnes à faire. T'as une commande de ce diamètre à faire, de ça, ça et ça. Bah ok, pas de problème, je le fais. J'en suis totalement capable, je peux le faire. Il me faudra mes recettes, hein, parce que n'importe. Enfin, les pâtissiers, au fur et à mesure de leur vie professionnelle, ils connaissent les formules par cœur. Moi, j'aurais besoin de mon livre de recettes, mais je sais comment faire. Je sais sortir un gâteau, je vais juste me refaire un bon livre de recettes où c'est propre. Et puis voilà, mais je peux le faire, il n'y a aucun problème, je peux m'en sortir. Et ça, il y a quelques mois, à peine quelques mois, j'aurais pas pu. J'aurais vraiment pas pu le faire, j'aurais douté, je me serais dit non, je suis pas légitime. Alors que je suis totalement légitime à être pâtissière en fait, c'est juste un concours de circonstances. Mais là, je vais me défendre, je vais aller postuler, là mon CV il est fait, je vais postuler, je vais dire bah voilà, je suis capable de ça, mettez-moi à l'épreuve, il n'y a aucun problème. Mais je sais le faire. J'en suis complètement capable et j'ai envie, je veux travailler, je veux pas dépendre de Pôle emploi. Même. Enfin, non. Comment dire? Je regrette pas cette formation. Parce que si je l'ai faite, c'est que ça devait se faire. Mais. J'ai quand même envie d'éviter aux gens de la faire parce que. C'est un peu de l'arnaque. On va pas se mentir, c'est de l'arnaque. Il y a une autre formation à l'année où c'est dans la même ville. Hein. Il y a une autre formation à l'année où c'est 8 000 euros. On est en présentiel. C'est toute l'année. Et. Bah, on est mieux formé en fait. Tandis qu'ici, c'était en distanciel. Bon, ça, c'était un de mes souhaits parce que c'était plus facile. Mais c'était en distanciel. C'était. 6 400 euros pour au final ne pas l'avoir. Bah non. En fait non, sur les 7 qui étaient inscrits, il n'y en a que 2 qui ont réussi. Et mon formateur ne se remet pas une seule seconde en question. Je suis pas d'accord. Donc je suis désolée. Et en plus de ça, il faut pas oublier qu'il y a tout le matériel à acheter derrière. Donc si jamais vous voulez vous lancer dans la pâtisserie, comptez même solo, hein, parce qu'il faut. Il faut passer le CAP, il n'y a pas le choix. Mais même solo, vous devez compter facilement 400 euros pour vous équiper. Moi, j'en ai eu pour 300, ouais, 300 euros pour le matériel de base. Plus derrière, bah, il faut compter la tenue de laboratoire qui est essentielle. Et bah, la tenue de laboratoire, moi, je pense que je vais racheter autre chose parce que je vous avoue que. Comme on met le tablier et la tenue tous les jours, bah c'est compliqué. Donc je pense que je vais prendre une deuxième tenue et du coup ça va me coûter encore 60 euros.
Mais c'est parce que je sais que je veux faire ça, donc j'investis dedans, comme j'ai investi dans l'enseignement et que je ne regrette pas du tout mon choix. Mais là, je vais passer mon CAP en mai, sauf si par miracle ils reviennent sur leur décision. Je vais postuler. Et je sais que je suis épaulée, je sais que je n'ai plus, que je suis pas toute seule. Alors ça, j'ai encore du mal, hein. J'ai vraiment encore beaucoup de mal. Mais comme je sais que je ne suis pas toute seule, bah ça fait du bien. En vrai, ça fait du bien parce que je me dis, bah tu peux déléguer, tu dois pas tout gérer toute seule. Et je suis habituée depuis que je suis partie de chez mes parents à vraiment me débrouiller toute seule, à trouver des solutions toute seule, à tout, toujours tout gérer toute seule. Et là, bah je commence à réaliser que même dans les difficultés, je peux compter sur les gens et je peux commencer à me dire, bah ok, tu peux faire ça, tu peux demander de l'aide si tu sais pas. C'est tout bête, hein, c'est vraiment tout bête. Mais quand vous apprenez à vous débrouiller tout seul dès le début, parce qu'il n'y a personne d'autre qui est passé par la même case que vous, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et là, bah, je commence à apprendre. C'est pas évident, mais j'apprends. Et encore là, vous avez que la version résumée, hein, parce que dites-vous que j'ai fait un premier enregistrement sur la voix où j'ai parlé pendant facilement 20 minutes. Hein. Là, vous avez 10 minutes, c'est un condensé, et je sais pas si ça servira à des gens ce que je dis ou pas, mais au moins, bah, si jamais il y en a qui tombent sur ma vidéo un jour et que ça peut aider, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul, même si vous n'êtes pas en couple, même si vous n'êtes pas engagé avec quelqu'un. Même si c'est avec des inconnus, il y a toujours des aides disponibles. Il y a vraiment toujours des solutions. Et là, pour moi, ça commence enfin à s'arranger. Donc, je me suis battue pendant 3 mois. Franchement, depuis juillet, j'arrête pas et c'est un enfer sans nom. Mais là, je vois enfin le bout. Je savais qu'en octobre, ça se dénouerait. Et peut-être que c'est moi aussi qui bloquais les choses parce que bah, je me disais, bah, j'attends mon CAP et en fait j'attends la réponse et dès que j'ai mes résultats, c'est bon, tout sera débloqué. C'est pas débloqué comme je le pense, c'est pas comme je l'espérais, mais c'est débloqué parce que peut-être, parce que je suis prête à ce que ce soit débloqué, et du coup maintenant j'ai juste hâte d'avancer, j'ai juste hâte que bah, de trouver un boulot. En octobre, je vais pas trouver un boulot. Hein. Pour la compta, c'est moins évident et je pense que ce sera pas avant novembre. Mais des offres d'emploi de pâtissier, il y en a à l'appel, il y en a vraiment beaucoup. Rien que dans un rayon de 20 km autour de chez moi, il y en a 60 des offres d'emploi qui sont là depuis des semaines et des semaines. Et c'est que des CDI. Si je dois aller un petit peu plus loin pour après me rapprocher du boulot, c'est pas un problème, je le ferai. Mais je veux dire que. Bah, je vais le faire et je vais y arriver, il n'y a aucun problème, j'ai confiance en moi pour ça. J'ai pas fait 2 ans de galère en France avec tout ce que j'ai vécu ces 2 dernières années, que ce soit positif ou négatif, pour abandonner si près du but. Je vais y arriver, je vais devenir pâtissière, je vais travailler dans une pâtisserie. Et je continue à sortir des vidéos pâtisserie sur la Novale, donc faudrait juste que je pense à partager les liens parce que je le fais pas assez souvent. Mais j'en suis totalement capable en fait. Et ouais, j'en suis capable. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, non? Et partir sur le jeu. J'ai un petit peu dévié, désolé. Si vous voulez passer le blabla, je mettrai un chapitrage. Mais bon, voilà, je mettrai un chapitrage pour ceux qui veulent passer le blabla, parce que c'est 15 minutes de blabla. Mais j'avais besoin d'en parler, et j'espère juste que peut-être que ça aidera des gens. Si jamais, par miracle, il y a quelqu'un qui tombe sur ma vidéo et qui avait besoin d'en parler, bah, ou d'entendre juste des mots, comme vous en êtes capable, vous pouvez y arriver. Ben voilà, là je vous le dis,
Abandonnez jamais. Franchement, si vous êtes convaincu, si vous ressentez que vous avez une passion et que vous voulez travailler là-dedans, même en général, hein, mais ne laissez pas tomber, laissez pas les gens vous faire croire que vous êtes nul, que vous n'arriverez jamais à quelque chose. Si vous en êtes convaincu, si vous avez la passion, vous pouvez totalement y arriver. Moi, pour mon enseignement, pour mon diplôme de prof, on m'a dit que j'étais nul. On m'a dit que je ne deviendrais jamais prof. Et ben, je m'en suis sortie avec une distinction. Ici, pour mon diplôme de pâtissière, on m'a dit que j'étais nulle. En tout cas, c'est ce que décrit la note, que je ne peux pas devenir pâtissière. Et ben, je vais leur prouver le contraire. Je vais tout simplement leur prouver le contraire, surtout que quand on regarde, bah, mon stage en entreprise s'est très bien passé. Ils étaient contents de moi. Certes, j'étais pas la plus rapide, mais ils étaient contents de moi. Donc je vais y arriver. Et rien à voir, mais j'y repense maintenant. Et puis on va s'arrêter là-dessus, on va embrayer sur le jeu, hein, parce que ça fait quand même 15 minutes de blabla. A priori, je récupère la fibre. Je sais plus si je l'ai dit dans cet intro ou dans l'autre. Je récupère la fibre jeudi. Donc jeudi 18 octobre. Normalement, parce que si, de toute façon, je vais récupérer cette semaine. Parce que si Orange ne répare pas, je vais chez Free. Parce que je sais que les opérateurs Free, ils ont récupéré dans le coin. Donc si Orange ne répare pas, je vais chez Free. Et je ne sais pas si je vais continuer à enregistrer des vidéos pour YouTube. Parce que honnêtement, ça va me demander beaucoup d'énergie. Entre les vidéos, les lives et tout ça, ça me demandait une énergie. Si jamais il y a des tournages sur YouTube, ce sera peut-être plus au cas où je dois faire sauter un stream dans la semaine. Mais les streams, ce sera 3 fois par semaine. Et les tournages, si jamais il y a un stream en moins, bah je le ferai. Mais voilà, je vous ai prévenu. Donc après, ce sera rendez-vous sur Twitch. Vous avez le lien, hein, dans la chaîne, sur la chaîne. Et puis, bah voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Bon, c'est un peu brouillon, hein, je suis désolée. Je sais même pas s'il y a des gens de la chaîne qui vont regarder, mais. Mais voilà, je devais en parler. Je remarque que j'en ai encore gros sur le cœur, même si je digère les choses. Et. Écoutez, on va jouer. D'accord? Je pense qu'on est bien pour jouer. Alors, attendez. Du coup, ici, je vais juste changer de scène. On passe en jeu. On va partir. Oui, pardon, j'ai même pas dit on part sur Out of Line. Parce que Gamel m'a offert une manette Xbox. Et je vais essayer, même si je sais que Out of Line tenait compte des paramètres PlayStation. En vrai de vrai, c'est juste parce que j'ai la flemme, ma manette est de l'autre côté et je suis bien mise. Écoutez, je suis honnête au moins. Donc, je connecte pas encore les contrôles. J'ai testé hier sur Hogwarts Legacy. Je sais pas ce que ça donne, hein, ce que ça va donner, mais écoutez, je connais pas les contrôles. J'ai du mal encore, donc soyez clément, d'accord? Ok? De toute façon, j'avais pas le choix. C'est moi qui décide. Alors, attendez. J'ai mon câble de casque qui est pas très très. Ah, c'est bon, ça le fera. Histoire quand même de vous sortir un petit épisode, non? Ce serait bien. Continuer. J'ai regardé les contrôles, hein, comme vous avez pu le constater, mais on va voir ce que ça donne. Évidemment, comme ça fait plus d'une semaine, bah, je me rappelle plus de rien. Ok, j'avance pas avec ça, j'avance avec ça. Ah mais oui, je me rappelle maintenant. Je m'étais arrêtée là. Mais pourquoi ça fonctionne pas? Je dois commencer par le bas?
Ah mais non, je dois faire du plus gros au plus petit, je crois. Donc ça fait 1... 2... 3... 4... Voilà. Ah putain, je me rappelle. Peut-être que j'aurais dû reprendre... Mais je peux pas viser. Je peux pas viser, je vous promets. Ah non, sérieux. Mais je peux pas bouger. Ah mais ma manette elle s'est déconnectée je crois. Attendez. Mais pourquoi? Ok c'est bon. J'ai rebranché, ça devrait le faire. Non ! Cette reprise fut courte. C'est pas grave, je vais y arriver. Non. Je vais y arriver, je vais y arriver. C'est long, mais je vais y arriver. Et non pas titre. J'espère que ça a plus bugué, hein, parce que ça avait bugué, c'est pas cool. Ouf, c'était juste. C'était très juste. J'aurais dû réussir du premier coup. Mais dites pas qu'il faut tout... Ah, non mais là le jeu par contre... Alors recommencer la petite énigme. Ok je comprends mais c'est pas cool. Je suis désolée mais c'est un peu chiant de devoir recommencer l'énigme. Ça fait 3 fois que je recommence l'énigme, c'est un peu chiant. On va pas se mentir. Si pas 4 fois. Alors que franchement il pourrait nous faire recommencer autre chose. Hein. Juste le parcours c'était bien en fait. Voilà. Je vais y arriver. Hein. Ah mais je suis pas obligée de faire les deux. En fait, il fallait que j'en fasse juste un des deux. Bon vas-y, cette fois je me prépare, je sais qu'il va passer par là.
te donne un coup. Hein. Mais c'est bon, je l'ai eu. Ah. Et après. Je sais pas s'il y a eu une sauvegarde. Merde. Non, non. Dites-moi qu'il y a eu une sauvegarde. Dites-moi que je vois pas tout quoi. Je comprends pas l'intérêt. Honnêtement, je comprends pas l'intérêt. Je comprends pas pourquoi ils nous font recommencer une sauvegarde ici. Enfin, je veux dire, c'est bon. Au bout d'un moment, on a compris. On a refait le truc. Je comprends pas l'intérêt. Alors, c'est pas pour rager hein, que je fais ça, mais honnêtement, quel intérêt? Ah mais c'est les deux à chaque fois, ok. Voilà. Je suis désolée, hein, vous voyez ça pour la quatrième fois. Bon, cette fois, je vais faire attention. Allez, casse une fois. Ah, j'ai pas vu au-dessus. C'est ça qui a fait. Au moins, je maîtrise, on va dire ça. Moi, je vous jure. Ici, comment je fais? Je vais mettre un truc là parce que j'ai pas envie de tomber encore une fois. Hein. J'aimerais bien avoir une sauve. Voilà! Pardon. Ah oui, mais du coup, on fait comment? Ah, d'accord. Je vais tester un truc, hein. C'est une énigme. Je vous avoue, je comprends pas trop. Le troisième change les deux là. Est-ce que le dernier change celui-là? Attendez, on va essayer ça. Voilà.
Oula. Bon, cette fois, il y a eu une sauvegarde, on le sait, d'accord. Je sais pas pourquoi je peux pas marcher là-dessus. Et je sais pas combien de temps dure le jeu. Alors, ici, moi, je passe. Oh! Ok, bon, c'est pas grave. Ok. Ah, je sais plus comment on fait. Ah oui, c'était ça. Vous voyez qu'il faut que je tire là-bas. Bah non, ça fait pas de sens. Je pense qu'il faut peut-être que je tire par là-bas, regardez, pour aller à gauche. Parce que du coup, là, je peux traverser. Ah, ça me donnait juste ça. Oh merde. On va dire que c'est toujours ça de prix, hein. Écoutez. Je peux pas monter. Ah si. Ok, j'ai découvert un truc. Oula. Oh non. Écoutez, ma foi, pourquoi pas. Hein. Par contre, il me dit même pas merci, hein, c'est vraiment... comment je fais là? Ok. Ouf. Vous croyez que ça passe au-dessus? Non. Deux, trois, attendez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, huit, neuf, dix, onze, douze. Ok, j'ai 12 secondes. Un, deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et du coup, là, je peux y aller. Oh non. C'est normal ça?
visiblement. Désolé, je buvais. Il y a encore les petits cubes qui me suivent. Ah, merde, attendez. Il va falloir que je traverse vite, hein. Ouais, bah oui, c'est ce que je me disais. Si je touche la buée, c'est foutu. Non! Fallait que j'attende. Faut pas que je me précipite, faut que j'attende. Voilà, c'est quand même pas compliqué. Ah, ok. J'aurais pu... Ah non, j'aurais pas pu, j'ai rien dit. Vous avez quoi? D'accord. Je sais pas si je dois aller à gauche ou à droite, attendez. Ouais, c'est à gauche. C'est juste pour récupérer ça? Ah, bah oui. J'ai rien dit. Je sais pas quelle durée de vie a ce jeu. Je me le demande tout le temps en plus. Ah, d'accord, non, 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 reste là. Ah. Est-ce que celui-là, ouais. Ça fait rien du tout. Hein. Ah si! Ok, ok, j'ai compris. Je vais attendre que celui-là soit là.
attendre. J'ai quand même le temps en vrai. Hein. Vaut mieux en fait que je commence à l'activer quand lui est actif. Ah. Non! Oh, trop dommage! C'est pas grave. Ah, c'est con, c'est vraiment con ce que j'ai fait. J'ai l'impression que c'est toujours dans le sens opposé de celui d'avant. Ça a rien fait. Hein. Ok. Je vais prendre mon temps, hein, c'est pas grave. Parce que le souci c'est que celui-là il est temporaire. Par contre pour avancer ça va être tendu. Hein. Non! Oh non c'est pas cool. Non, à une seconde près. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Juste parce que je me suis trompée de sens. Une sauvegarde. Je sais pas si ça m'aura servi à quelque chose, hein, mais écoutez. Ça me sert à quoi? Ah! Ok. Ah oui mais... Ah si ok. Ah si il est temporaire de fou. Faut que tu redescendes. Il veut pas redescendre. Il redescend pas, je fais comment? Non mais...
On va essayer par le haut, hein, on sait jamais. Ce qui est perturbant, c'est que bah c'est. Ah oui, mais mince. J'ai pas pensé, mais j'ai pas le deuxième. Ce qui est perturbant, c'est que c'est pas instantané. Comme c'est pas instantané, je sais pas ce qui est bon ou pas. Ça s'arrête jamais? C'est censé s'arrêter, non? Oh, me dites pas qu'il faut absolument faire celui du bas. Bon, vers la droite, c'est en haut. Vers la gauche, c'est en bas, tout simplement. Ok, c'est pas grave, on va le faire. Vers la droite, c'est en haut. Vers la gauche, c'est en bas. Là, on va vers la gauche. Ouhouhou! Logiquement, ça c'est pour monter. Ouais, c'est ça. Du coup. Mais non, c'est vers la droite. Ah, mais non, il faut que ça descende. Ah mais ça va de nouveau craquer. Ah, c'est un enfer. Et le truc c'est que là il est déjà à gauche. Ah non. Allez! Je vous promets, je comprends pas ce que je dois faire. C'est un enfer. Non! C'est pas ce que je voulais faire. Vous croyez que je dois simplement le rappeler, le truc? Genre, si je le rappelle, ça fait quoi? Ça redescend. Et ça redescend jusqu'où? Tout en bas? Ouais. Donc en fait, faut que je le rappelle le truc. Non! Oh putain, je pouvais rester en haut. Vas-y, monte. Je vais quand même tenter, hein, on sait jamais, mais. Vas-y, descends! Alors, j'ai réussi, mais... Je suis désolée si ça se trouve on n'aura vraiment qu'une heure de ça, hein, mais je comprends vraiment pas ce que je dois faire.
Peut-être que je dois pas utiliser celui-là, hein. Celui-là, peut-être qu'il doit rester en bas. Non, ça fait rien. Là, ça bouge. Le souci, c'est que là, du coup, comme ça bouge... Je pense que c'est ça, hein. Il n'y a que cette option-là. Non, c'est dans l'autre sens. Oh, il faut un temps à chaque fois. Ok, là c'est bon. Ça change rien. Vous croyez que... Mais non, ça me redescend. Je ne comprends pas cette énigme. Franchement, je fais l'effort, hein. Je suis désolée, vous allez avoir une heure de ce gameplay sans savoir comment résoudre le truc. Là, il y a eu un bruit. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça monte? Non, ça monte pas, hein. Ouais, ok, là c'est monté. Mais là ça reste enfoncé. Peut-être si j'attends, ça va me remonter toute seule. De toute façon, j'ai pas le choix. Ah non! Je comprends pas. Je ne comprends pas. Merde, j'aurais dû la prendre après celle-là.
J'arrive à monter jusqu'au deuxième, mais pas jusqu'au dernier étage, hein. Non. Ah. Alors, le troisième fait monter du bas vers le haut. Faut que j'attende, hein, du coup. Le deuxième. Fait monter encore d'un. Si j'enlève le deuxième. Non mais du coup ici je ne peux pas passer. Si je me mets là par exemple, ça fait quoi? Si je suis genre tout en bas. Est-ce que ça va me faire redescendre ou pas? Parce que là je peux pas passer, hein, on est d'accord. Ah, ça me refait descendre. Donc en fait quand le deuxième est actif, il y a de la fumée en haut. Donc je pense que l'idéal serait que j'active le deuxième comme ça. Là ça fait monter. Ah non. Oui c'est ça. Quand le deuxième est actif, il y a de la fumée. Bah du coup il suffirait que je... Ah oui mais non parce que ça va le lancer. Du coup là je le désactive. Je repasse en bas. Je vais activer ça. Ça, je remonte. Il faut que je rappelle celui-là. Comme ça, je remonte d'un. Non? Non. Là, ça l'active. Et du coup, ouais, ça me fait actif au-dessus. Ah, mais ça s'arrête là. Mais le souci, c'est que si le deuxième est actif... Là, ça va me faire redescendre. Bah ouais, c'est ça le problème. Est-ce que ça va me faire remonter jusqu'en haut? Bah non. Je crois qu'il faut que je mette celui-là au-dessus. Putain, j'aurais dû le récupérer avant celui-là.
j'aurais dû récupérer avant. En fait, je pense, mais peut-être que je me trompe. Attendez. Je pense en fait qu'il faudrait que je mette celui-là, celui qui se disparaît, il faut que je le mette au deuxième. Et celui-là qui disparaît pas, il faut que je le mette. Bah du coup, il faut que je le mette au premier. Comme ça, j'ai peut-être qu'à rattraper. On va essayer. Puis après, je vais quand même penser à m'arrêter tout doucement. On va essayer. Hein. Je sais pas ce que ça va faire. On va essayer. Voilà. Ensuite, je fais ça. Là, je monte. Le problème, c'est que là... Ah, mais comment je fais? Ah, c'est compliqué. Écoute, je vais finir par regarder une solution sur Google parce que je vous promets, je ne sais pas. Je ne sais pas comment monter. J'ai essayé toutes les combinaisons possibles et là, je ne sais pas comment on monte. Ah, cette énigme, elle est compliquée, hein. En vrai de vrai, elle est vraiment compliquée. Hein. Parce que du coup ici ça reste. Ah oui, ça descend. Oh, je sais pas du tout. Eh ben écoutez, pour l'instant on va rester là-dessus. Rester là-dessus. Écoutez, on va rester là-dessus. Je sais pas. Je sais pas du tout. Eh, ça vous fait quand même 3/4 d'heure de vidéo. Je sais pas. Je vous promets, je sais pas. Si jamais, donc en fait, si on récapitule, comme ça vous pouvez réfléchir avec moi. Si on récapitule, celui-là, quand il n'y en a pas dans le deuxième, quand il n'y a pas la petite barre dans le deuxième, celui-là, il produit pas de fumée. Je crois. Attendez. Donc, celui-là, où je suis, s'il est actif, il permet de monter au troisième, je crois. Mais pour ça, il faut que les deux autres soient actifs. Enfin non, il y a le deuxième qui doit être inactif. Non, le deuxième doit être actif. Le premier, on va dire le premier, tant pis pour l'étage du rez-de-chaussée. Le premier doit être
Actif. Je sais pas comment faire. Bon, écoutez, vous savez quoi? On va s'arrêter là. On se retrouve de toute façon, normalement, j'espère, on se retrouve sur Twitch jeudi. Si jamais c'est pas le cas, bah il y aura une vidéo à la place. J'espère que ce sera le cas. Je pense que le matin, de toute façon, je vais tourner une vidéo. Comme ça, j'en sortirai une où je vais la garder sous le coude. Et si jamais il n'y a pas de... Parce que je ne sais pas. Si jamais je récupère la fibre, bah du coup c'est tout simplement bah le live qui sortira. Si jamais il y a, enfin je ferai un stream. Si jamais par contre il y a un souci avec la fibre, mais normalement ça devrait aller. Je touche du bois. Normalement je vais récupérer la fibre. À ce moment-là, bah ce sera s'il n'y a pas de fibre, ce sera la vidéo. Sinon ce sera le live. Par contre je garderai une vidéo sous le coude. Peut-être pour ce week-end parce que samedi, je ne suis pas chez moi. Je pense que je vais continuer à faire une vidéo par semaine en vrai. Tant que je ne bosse pas, je peux le faire. Après, on verra, hein, comme je vais déménager et tout ça, on verra bien. Du coup, je vous fais... Attendez, on va repasser, on va quitter le jeu. Parce que je vous promets, je sais pas, je vois pas comment faire. Discussion. On va quitter le jeu, je vais regarder moi-même de mon côté. Si jamais vous voyez comment résoudre cette énigme, dites-le moi. Parce que là, je sèche. Faut vraiment... C'est une énigme. Si ça se trouve, c'est tout bête, hein. Mais là, mon cerveau, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. On aura joué à peu près 1 heure, ça va, c'est pas la mort. Je vous sors des petites vidéos hein, de Out of Line et Solar Ash. Parce qu'en général, en fait, ce genre de jeu, c'est bien, mais quand je parle avec des gens... Donc là, je vais vous sortir cette vidéo. Si jamais vous avez des idées sur comment résoudre l'énigme, bah dites-le moi. Sinon, dans tous les cas, moi je regarderai d'ici la semaine prochaine pour résoudre l'énigme. Et peut-être que ça se fera en live. Mais cette fois-ci, de toute façon, vous aurez quand même les vidéos sur YouTube. Hein, mais je pense que je vais les sortir au fur et à mesure cette fois. Dès que j'ai fini un live, je l'upload sur YouTube. Parce que c'est plus facile pour moi en vrai. Et ce sera du coup le retour des live react. Jeudi, il y a moyen. Ah, du coup, il y aura peut-être moyen de faire react plutôt du meilleur pâtissier. Oh, je verrai bien. Du coup, je vous fais des bisous. On se retrouve jeudi, dans tous les cas. Demain, je travaille, donc on se retrouve jeudi. J'espère que le début de la vidéo vous aura pas trop saoulé. Et puis, merci pour les personnes qui regardent les vidéos. Ça compense un petit peu le fait que j'ai pas pu stream depuis 2-3 semaines. Et ben voilà. Donc je vous fais des bisous. À jeudi. Bon début de semaine. Et puis, ben portez-vous bien. Des bisous!